Je pense que oui. Je pense que oui, mais bon, c'est clair qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas. Ça, il faut voir de cas par cas. Il faut discuter avec les personnes et si on les connaît, on sait aussi s'ils sont capables de décider ce qu'ils veulent ou pas. Mais les désirs, c'est pas uniquement les activités qu'on peut planifier pour eux, c'est aussi qu'est-ce qu'ils veulent manger le matin, ou à quelle heure ils veulent se lever, ou voilà, des petites choses qu'ils peuvent décider, même si ce n'est pas des grandes décisions, genre travail, logement, ça, il y a des personnes qui ne peuvent pas décider ça. Mais les petites choses, on peut quand même demander.